Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de courrier. Eh oui, la vidéo haul grenier du bonheur, c'est parce que j'allais chercher un colis. En fait, c'est de sa faute. Donc, c'est ma petite Anita de la bulle créa d'Anita. Je vous remettrai le lien de sa chaîne quelque part par là. Qui m'a envoyé un colis. Donc, j'ouvre le colis. C'est pour faire des bêtises. Avec moi, c'est pas gagné. Hein, vous savez, je suis en train de faire des bêtises. Raté. Qu'est-ce que toi as fait à moi, toi? Ouais, moi parler très très French. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Je commence par quoi? Le bijou de la comtesse. Donc présentation, emballage. Bijou de la comtesse. Etsy.com. T'as fait. Oh, c'est rigolo. Ah, j'adore ces personnages. Ils sont faits avec des fleurs ou des fruits, des légumes. J'adore. Je trouve ça excellent. Je suis en train de chercher le nom de l'artiste peintre qui fait ça. Ah, j'adore. Il est superbe. Donc, je suppose que s'il y a le truc de la comtesse, ça doit être un site. Donc, c'est les pochons de la duchesse.com. Bijoux de la comtesse.etsy.com. J'irai vérifier quand même s'il y a quelque chose là-dessus. Parce que des fois que ce soit une bêtise que tu m'aies fait et que tu m'aies inventé un truc, je vous laisse regarder. Mais c'est très très joli. Oh, j'adore. Ah, j'adore cet artiste. Je trouve ça rigolo. Merci ma belle. Happy birthday, Isa Fruit. Désolée, j'arrive en retard, mais arriver en ballon gonflable jusqu'à toi, c'était très long. Vite un café. Elle est folle, cette fille. Je vous jure qu'elle est folle. Donc, emballée dans un petit tissu avec des fleurs qui brillent. Un bout de ficelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dans quel sens on ouvre? Oh! En plus, tu me l'as montré, la montgolfière. T'es une coquine. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je m'envole vers toi pour vous faire des bisous. Ouais, t'adoreras. Moi aussi, je te fais des bisous. Ah, il y a encore des messages tout plein cachés partout. Ouais, c'est gentil, je te remercie. Bah ouais, mais il fallait que je revienne à un bout d'un moment. Il faut arrêter les bêtises. Donc, c'est une superbe enveloppe. Je disais que si vous ne connaissiez pas le travail de Anita, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il n'y a pas longtemps qu'elle fait du scrap. Elle a sa chaîne depuis très peu de temps. Elle se débrouille super bien au niveau du montage des trucs, des présentations, des explications. C'est vraiment, vraiment, je lui tire mon chapeau. Et elle fait un boulot vraiment d'enfer. Donc, elle m'avait déjà envoyé une magnifique enveloppe, toute décorée, toute... j'adore son travail. Donc là, on a une ficelle avec des embellissements métal. On a une brosse à dents, une chouette, une plume et des embellissements métal, horloge ici. Alors, comment ça s'ouvre? Voilà. Alors, je suppose que là, non, c'est pas là. Donc, tout cousu à la main, un semblant d'enveloppe, des petits quais, une montgolfière, un lapin qui s'en va en voyage. De l'autre côté, on a le de nouveau, le semblant d'enveloppe qui est cousu. Ici, on a le petit tag. Je cherche parce que ça, elle est quand même un petit peu comme moi. Elle met des cachettes d'ouverture partout. Donc là, c'est un tag. J'adore vraiment ton travail. C'est minutieux, c'est recherché. C'est vraiment superbe. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Elle m'a fait un truc pop-up. Oh, excellent. C'est tout simple, mais il faut le faire, quoi. Regardez, quand on l'ouvre, tadam! Donc, tout ça, c'est pop-up. C'est excellent. Oh, elle m'a mis de la gaz, oh, t'as un amour.
Ah, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Et puis alors, le travail, c'est tout du... C'est du costaud, hein. Avec Anita, ça rigole pas, c'est du costaud. Donc, des petites pochettes. Là, on a une petite enveloppe. Oh, qu'est-ce que c'est? M'a mis un chat. C'est une histoire entre nous. Donc là, je suppose qu'il doit y avoir un défi dans l'air. Hein. Tu pouvais pas m'envoyer un lapin? Comment ça, mes conneries? Ah, mais en plus, c'est tout bien là. Ah. Ben oui, non, mais tu prends des petits bouts de ceci, des petits bouts de cela, et puis voilà le résultat, quoi. Ben, tu t'es pas cassé les nénettes hein, pour ma carte, hein. T'exagères quand même. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est une vraie... C'est une copine à Anita qui fait ce genre de bijoux. Donc, c'est bien vrai, vous pouvez aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. T'es un amour, hein. Te fais des bisous, des bisous, des bisous, tout plein de bisous. Moi aussi, je t'adore. T'es aussi folle que moi, donc, voire aussi folle que nous, hein, puisqu'on fait partie d'un trio. Bah, je vais pas le remettre là-dedans, ça va l'abîmer. Ah, mais j'adore ta carte, c'est super. Et elle m'a mis un bout de gaze, de fil tissé, parce que je ne retrouve pas la mienne. Et puis, ben voilà quoi. Merci tout plein. Ah, mais t'es au courant de toute façon que il y en a un de colis qui est parti chez toi, là. Donc, si vous voulez voir l'orgie qu'il y a dans le carton d'Anita, dans les prochains jours, hein, je vous mets le lien de sa chaîne là-haut. Vous irez voir un peu ce qui se passe dans son colis. On va bien rigoler ou pas. Quoique non, j'ai été sage, hein. C'est que des choses que tu sais à peu près, sauf une, mais bon, on va bien rigoler sur celle-là. Et donc là, je viens mettre les petites choses. Bon, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Merci tout plein, c'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Ton travail, toi en tant que personne. Et puis voilà. Je te fais tout plein de bisous. Je te dis merci encore, mille merci. Je vous fais des bisous à vous aussi. Et puis à bientôt. Bye!